Le thème de ce soir est simple. Il s'intitule comme suit. Il m'a aimé. Alinganga. Il m'a aimé. Alinganga. Nous allons lire un seul passage. Passage que nous connaissons tous. Jean 3:16. T'as pas vraiment besoin d'ouvrir ta Bible. Hein? Jean 3:16. Est-ce qu'on peut tous le lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Alors, dis ceci, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je vais commencer par élever l'équivoque autour de cette phrase. Car Dieu a tant aimé le monde. Les concepts monde ici n'est pas lié au système corrompu du monde. Quand la Bible dit « car Dieu a tant aimé le monde », elle veut simplement dire « car Dieu a tant aimé l'humanité, l'homme qu'il a créé ». Ok ? Car Dieu a aimé l'homme qu'il a créé, l'humanité, et non pas le monde en tant que système corrompu. Aussi, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas, car Dieu a tant aimé le chrétien seulement. Ok? Je vais vraiment poser des bases là-dessus. La Bible ne dit pas, car Dieu a tant aimé le chrétien seulement. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans votre Bible. Dieu, en tant que créateur, aime tout le monde. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Il aime et le païen, il aime et le chrétien. En tant que créateur, il aime tout le monde. Mais il n'aime pas les péchés. Mais il aime les pécheurs. Aide-moi à le dire à ton voisin. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Parce que nous faisons des fois de confusion dans notre chrétienté. Nous allons à l'extrême. Les chrétiens que nous sommes, des fois, nous haïssons le pécheur. Ce que Dieu ne fait pas. Dieu aime le pécheur. Mais il est le pécheur. La Bible dit Dieu a tant aimé. Tant là, c'est un adverbe qui montre l'intensité, la grandeur. Dieu a beaucoup. Pas peu. Jean ne dit pas Dieu a aimé, mais il a ajouté cet adverbe d'intensité pour montrer les degrés de l'amour de Dieu. Tellement il a aimé, il a fini par donner. Alléluia. C'est l'intensité de cet amour qui l'a poussé à donner. Le véritable amour ne se limite pas par des paroles. Le véritable amour se démontre par les actes. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais les actes qu'il pose sont les contraires. Les actes vont parler plus que la parole. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé chez Abraham, il a dit, donne-moi ton fils unique. Quand Abraham a donné, la Bible dit, Dieu a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Et pourtant, Abraham aimait Dieu. Mais dit, maintenant, je sais que tu sais. Donc, si tu as quelqu'un qui, allez, chaque jour, il t'écrit, tu sais que je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre, et qui ne pose aucun acte démontrant ce qu'il dit, c'est que c'est un amour faux.
Les hommes le savent. Quand un homme aime une femme, il va démontrer cela par les actes. Il habite là-bas en Gaba, mais il va l'accompagner jusque là-bas, au péril même de sa vie. Alléluia. Amen. Il a peu, mais il veut partager à l'autre. Quand quelqu'un te dit seulement qu'il t'aime, mais il a beaucoup, il te donne pas, fais attention. Ceux qui ne t'aiment pas vraiment, c'est un profiteur. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. J'aime bien la conjugaison biblique. On a conjugué le verbe aimer au passé. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu pour l'homme n'a pas commencé à l'avènement de Jésus. Ok? L'amour de Dieu pour l'homme n'a pas commencé à l'avènement de Jésus en Israël, non. L'amour de Dieu pour l'homme a commencé bien avant la fondation du monde. Parce que l'agneau, comme a dit Da Sophie, était sacrifié bien avant la fondation du monde. L'amour de Dieu avait même précédé l'existence de l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu ne t'aime pas maintenant là. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait déjà aimé. Alléluia. Tout a commencé à Éden. Tout était parfait au départ. Quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé les animaux, tout était parfait. Mais lorsque l'homme a péché, le péché est entré dans le monde, brisant ainsi la relation entre l'homme et Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Dieu ne supportait pas le péché. Mais par son amour pour l'homme, Dieu avait déjà établi le plan de la rédemption. Il s'est rapproché encore de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait toujours l'initiative de venir vers l'homme même quand l'homme pêche. Et Dieu est venu vers l'homme. Il a placé le plan de la rédemption. Dieu s'est choisi une famille au travers d'Abraham. Cette famille, demain, plus tard, est devenue la nation d'Israël avec Moïse. Cette nation, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert, Dieu leur a donné la loi qu'on appelle la loi de Moïse. Cette loi devait les aider à vivre d'une manière sainte pour qu'ils soient agréables à Dieu. Cette loi pouvait être catégorisée en trois. Il y avait la loi qui régissait le côté moral du peuple. Il y avait la loi qui régissait le côté civil, cela veut dire tout ce qui traite de choses juridiques ainsi que sociales du peuple. Ainsi que la loi cérémoniale. Tout ce qui concernait le cérémonie et les cultes. La loi de Moïse avait plus ou moins 613 règles. Ce n'est pas seulement les 10 commandements, non. Plus ou moins 613 règles. Mais tout le 613 règles reposait sur les 10 commandements que nous connaissons qui se retrouvent dans Exode 20. Il était difficile, voire impossible, l'apôtre Paul le dit bien dans Romains, qu'un homme puisse obéir à toutes les 613 règles. Le comble est que Moïse lui-même, Moïse,
Moussi, qui était le médiateur de cette alliance, celui qui a emmené cette loi au peuple, lui-même est tombé sous la loi. Alléluia. Amen. C'est alors que plus tard, aimant toujours l'homme, cherchant comment sauver l'homme, c'est alors que Dieu a envoyé son fils, Jésus. Il a envoyé son fils. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a aimé, c'est à cause de l'amour qu'il a envoyé Jésus, son fils unique. Jésus est venu sur la terre en chair. Il a accompli la loi. Toute la loi. Et même, il a été le sacrifice parfait, agréé par Dieu, qui a effacé, non pas couvert nos péchés, mais qui a effacé nos péchés. Alléluia. Seul Jésus a pu le faire. Seul Jésus a accompli la loi. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul qui le dit dans Romains 6. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions pécheurs condamnés à la mort et au jugement. Parce que Romains 8, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pécheurs que nous étions, nous étions privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est liée à sa face. Moïse dit à Dieu, montre-moi ta face. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face. Nous étions donc privés de ça. Pécheurs que nous étions. Frères, sœurs, Jésus avait la possibilité de renoncer aussi à sa mission. Il avait la possibilité de renoncer. Mais il n'a pas fait. À Gethsémané, il a supplié son père. Il a appelé Abba. La seule fois où on a gardé la version araméen du père. Une façon de dire qu'il a appelé d'une manière affectueuse. Dans Jean chapitre 12, il dira, Père, tu sais bien que tu me donnes tout ce que je te demande. Mais là, il a demandé au Père, si tu peux éloigner la coupe de la douleur, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Père est resté silencieux. Malgré qu'il a appelé Abba, le Père est resté silencieux. Il pouvait aussi se dire, non, je ne veux pas aller jusqu'à la croix. Mais il ne l'a pas fait. La nuit où il fut arrêté, l'un des militaires est venu. Pendant qu'ils étaient là avec Judas, Pierre a pris l'épée, a coupé l'oreille. Mais Jésus a pris l'oreille. Il a replacé l'oreille. L'amour de Dieu est plus fort que ses ennemis. Il a aimé même les gens qui sont venus l'arrêter. Un jour, on lui emmena une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse avait prévu dans ses dispositions légales de lapider une telle femme. On l'a emmenée auprès de Jésus. Puisque tu es maître, puisque tu défends Dieu, voilà. La loi prévoit ceci. Qu'est-ce que toi tu prévois? Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme. Il lui dit, lorsque ses bourreaux étaient partis,
Où sont ceux-là qui te condamnaient? Non, ils sont tous partis. Ils t'ont pas condamné. Non, ils ne m'ont pas condamné. Il va. Moi non plus, je te condamne. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes ces lois. Alléluia. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes ces lois. C'est lui-même qui avait établi la loi. Mais quand il a regardé le pécheur, il n'a pas voulu que la personne puisse mourir. Il a pardonné. Un jour, il a rencontré Barabbas. Barabbas était un criminel. On a posé la question au peuple. Jésus aussi pouvait se libérer. Entre Jésus et Barabbas, qui choisissait? On a choisi Barabbas. Jésus a pris la place d'un criminel. Je ne sais pas quel est le plus grand péché que tu aies commis. S'il a pu prendre la place de Barabbas, c'est qu'il a aussi pris ta place à toi. Alléluia. Un jour, il rencontre la femme qu'on appelle la Samaritaine. Cette femme-là prenait les femmes d'autrui, les maris d'autrui. Elle est venue puiser de l'eau seule parce qu'apparemment elle n'était pas aimée. Mais Jésus a accepté de parler avec cette femme. L'amour de Dieu va au-delà de tout ce que les gens peuvent dire sur nous. Alléluia. Amen. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire de nous. Il a rencontré Zachée. Zachée. Un pécheur. Musumuki. Tout le monde le connaissait. Mais Jésus lui dit, Zachée, aujourd'hui je mangerai chez toi. Quel amour. Il n'a pas regardé qu'est-ce que les gens vont dire sur moi. Moi vraiment le maître, moi le fils de Dieu, aller manger chez un pécheur. Il n'a pas regardé. Il a parlé avec Zachée. Ils ont cheminé ensemble avec Zachée jusque chez lui. Jésus a visité le pauvre comme les riches. L'amour de Jésus ne dépendait pas de conditions sociales. Jésus ne regardait pas tu sors de quelle famille, tu habites quel quartier. Jésus fréquentait tout le monde. Son amour ne regardait pas notre condition sociale, non. Pas du tout. Et quand il est arrivé à la croix, il a crié Agangi. Eli, 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 lama sabachthani, lama sabachthani. Mon père, tatananga, tatananga. Pourquoi tu m'as abandonné? Mon père, tatananga, tatananga. Pourquoi tu m'as abandonné? Imaginez ton fils, David Junior, en train de succomber, écrit au secours, papa, papa. Lisungi, tata, tata. Mais tu laisses ton fils mourir. Parce que Dieu a tant aimé le pécheur qu'il a laissé son fils mourir à la croix. Avant même que toi tu ne viennes, il a laissé son fils mourir. Ce n'est pas qu'il n'avait pas crié. Il a crié de toutes ses forces. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le moment où j'ai vraiment besoin de toi, tu m'as abandonné. Le père a laissé le fils mourir par amour pour toi. Ça, c'est moi qui imagine. Lorsque le fils est mort, il est allé au tribunal où nous étions condamnés. Là où il a été dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Il est arrivé, il a accompli la loi, il a accompli la mission, il a payé le prix de notre rachat. Ce n'est pas au prix, quand on dit qu'il a payé le prix, ce n'est pas auprès du diable qu'il a payé. Non. Il a payé le prix de notre rachat. Cela veut dire ce qu'il fallait pour que nous soyons sauvés. Il est arrivé auprès du Père. Père, au tribunal. Maintenant que le prix est payé, qu'est-ce que tu dis pour cette loi? Le Père regarde et dit, ok,
Puisque c'est toi qui as payé le prix, en matière du salut, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Non, en matière de salut, là, maintenant que tu as payé le prix, le salut, on ne passera plus par un bouc, on ne passera plus par un sacrifice. Je n'ai plus besoin de sacrifice. Le salut maintenant repose en ton nom, toi qui as payé le prix. Ok. Est-ce que c'est tout? Non. Ce n'est pas tout. Celui qui croit en toi, il ne passera plus par les jugements. Fini. Celui qui croit en toi, fini pour lui, ne passera plus au jugement. Et c'est tout. Non. Ce n'est pas tout. Il aura aussi la vie éternelle avec nous. Alléluia. Il aura aussi la vie éternelle avec nous. Ah, Père. Est-ce que c'est fini? Mais qu'est-ce que tu veux encore? Je veux qu'ils deviennent mes frères parce que je suis le fils unique. J'aimerais quand même avoir de frères. Alors le Père a dit ceci. À tous ceux-là qui croiront en toi, à tous ceux-là qui vont t'accepter comme Seigneur et Sauveur, voilà, je leur ai donné les droits de devenir enfant de Dieu. Il a dit ceci. À tous ceux-là qui vont croire à ce que tu as fait là-bas, à tous ceux-là qui vont t'accepter comme leur Seigneur, je leur ai donné le droit, je leur ai ouvert la porte. Désormais, ils ont le droit de devenir mes enfants. Sur le plan légal, je les ai adoptés. Je les ai rendus justes. Quand on parle de la justification, l'homme lui-même ne pouvait pas se justifier. La justice ne vient pas de l'homme. Il faut que quelqu'un d'autre te déclare juste. Les juristes sont là, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un d'autre te déclare juste. Notre justice ne vient pas des œuvres du monde. Notre justice vient d'où? Notre justice vient du fait que Dieu le Père nous regardant au travers de Fils, il ne voit en nous aucun péché. Parce que le Fils a pris le soin d'effacer le péché qu'on faisait. Et quand le Père nous regarde, il nous déclare juste. Il dit, puisque vous n'avez plus de péché, vous avez maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il appelle je ne sais quel ange. Il dit, voilà, ajoutez ces noms-là dans la liste de mes enfants. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est en Christ. Tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Tu as le même droit que Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous appelle les co-héritiers. Quand on parle de co, il n'est pas seul, on est double. Nous sommes héritiers au même titre. Voilà. Nous sommes héritiers au même titre que Jésus. Ah, Père. Vraiment, fantastique. C'est bien. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et ce qui en a? Que veux-tu encore? Mais regardez. Boutal. Il y a plus de 613 lois. Et le kiatamibe ko 613. N'oubliez pas que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il dit même, mérite la mort celui qui ajoutera ou ôtera de la loi même un iota. Je ne suis pas venu abolir la loi. Mais est-ce qu'ils vont encore respecter le 613? Le Père regarde. Il dit, toutes les 613 lois, je le réduis en un seul. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même et tu aimeras ton prochain. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas besoin de te casser. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton Dieu. Donne-moi un amen d'où je vais t'expliquer. Celui qui aime son prochain ne peut pas prendre son mari. Akokite kozwa mobali nae, mobali ya moninga nae.
Il dit, si seulement tu aimes ton prochain, toutes les lois ne font pas c'est simplement en amour. Si je t'aime, je te ferai pas du mal. Il dit, tu commences par aimer ton Dieu. Mais j'aime quand il dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu n'as pas vu, alors que tu as? J'aimais quand on a chanté, je t'aime de l'amour du Seigneur. Le véritable amour au Père, quand le Père te regarde, même quand tu lui dis que tu l'aimes, il regarde comment tu aimes ton voisin. La manière dont tu aimes ton voisin, c'est la même manière que tu aimes Dieu. Il nous a facilité la tâche. Voilà pourquoi il nous dit, ne haïssez pas vos ennemis. Aimez vos ennemis. Voilà pourquoi à chaque fois quand nous sommes du haut de la chair, nous vous conseillons, ne maudissez pas vos ennemis. Ne jetez pas le feu aux ennemis. Aimez vos ennemis. Parce que quand toi tu étais pécheur, Christ t'a aimé. Christ t'a aimé. Alléluia. Amen. Quand tu ne connaissais même pas Dieu, Christ t'avait aimé. Christ mais pourquoi toi, maintenant qui connais Dieu, tu peux haïr ton voisin? Parce que alléluia. Amen. Comment sauront-ils que nous sommes vraiment de Christ, nous sommes en Christ, si l'amour de Christ n'est pas en nous? L'amour véritable de Dieu ne consiste pas à aimer seulement les gens que nous connaissons. L'apôtre dit, si tu aimes seulement la personne que tu connais, qu'est-ce que tu fais de là? Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. Il dit toute cette règle-là se résume en cela. Mes pères, et ceux-là qui ne croiront pas en moi, ceux-là qui ne croiront pas en toi, ils vont passer par le jugement et la condamnation. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Ceux-là qui ne croient pas en Jésus, ils passeront par le jugement et la condamnation. N'aie pas cette illusion-là. De croire que quand la Bible dit Christ a effacé nos péchés, tout fini, je peux maintenant pécher comme je veux. L'apôtre Paul le dit. Est-ce pour autant que nous devons vivre selon la chair maintenant que tout a été accompli? Non! Pas du tout! Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus, c'est lui qui n'a pas le Fils en lui. La condamnation et les jugements, il passera par la condamnation et les jugements. Et il passera son éternité dans les temps de feu avec le diable et les faux prophètes. Je veux atterrir, nous allons prier. Je veux dire deux, trois choses. Premièrement, à nous qui sommes chrétiens. Quand Christ a eu cela du Père, il est venu dire, allez dire aux autres, apportez la bonne nouvelle, allez jusqu'aux extrémités de la terre, annoncez cette bonne nouvelle, que tous ceux-là qui croiront en moi, il n'y a plus de condamnation pour eux. Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Christ, c'est la bonne nouvelle de l'amour et non pas la bonne nouvelle de la méchanceté. La bonne nouvelle de la méchanceté consiste à rappeler les gens l'enfer, le feu, tu iras en enfer. Les étudiants de la Bible conviendront avec moi. L'évangile de Christ, quand Christ prêchait, il faisait plus l'éloge de l'amour du Père que du jugement. Jésus parlait plus de l'amour du Père que du feu de l'enfer. La véritable conversion ne consiste pas à
à craindre l'enfer, mais à aimer le Père. Alléluia. Voilà pourquoi Christ est venu nous présenter le Père et non pas le juge. Tout l'Ancien Testament était plus constitué de jugements et des jugements et des jugements. Christ est venu présenter l'autre aspect de Dieu, le Père vous aime. Je prie à ceux-là qui prêchent l'évangile, prêchons plus le Dieu qui nous aime que le Dieu qui prévoit un jugement pour nous. Alléluia. Amen. Je m'adresse encore à nous qui sommes chrétiens. Quel amour montrons-nous aux païens lorsque nous-mêmes nous nous haïssons? Quand ils regardent nous, le pasteur, on se chamaille. Quel amour est-ce que tu manifestes quand tu fais du mal à l'autre? Tu as entendu quelque chose de l'autre, va le voir, parle-lui au lieu d'aller colporter. L'autre a mal fait, pourquoi tu ne vas pas le voir? Qu'est-ce que tu gagnes en détruisant la réputation de ton frère? Et tu l'appelles aussi mon frère. Tu l'appelles aussi ma soeur. Il est venu te demander parce qu'il n'avait pas. Est-ce pour autant aller faire la publicité? Elle est venue confesser auprès de toi parce qu'elle était remplie d'amertume. Est-ce pour autant faire la publicité à tous les pasteurs? Si nous qui sommes chrétiens, nous ne nous aimons pas, quel exemple montrons aux païens? Si nous n'arrivons pas à partager ce que nous avons avec celui qui a faim, quel amour nous manifestons. Alléluia. Amen. Regardons nos téléphones. Béni soit Dieu qui ne nous expose pas. Si chacun de nos téléphones commençait à défiler ici, quel message on va trouver? Est-ce des critiques que tu fais? L'émoji là qui sourit. Bon. Je vais demander au Saint-Esprit. On commence par quel téléphone? Le tien? Dieu est capable. Moi, je crois à Dieu. On peut commencer au tien. Et bien, nous message, moi, comment quoi? Il y a WhatsApp et Facebook. WhatsApp et Facebook. Tout. Après lui, c'est qui lève la main. Pardon. Attends que j'ai foncé quand je vais rentrer. Je vais parler à quelqu'un qui est situé homme de Dieu. Tu nous suis même au travers des médias. Le diable est en train de prévoir qu'on te vole ton téléphone. Ça sera par un enfant, une fille. C'est lui que le diable a mandaté pour qu'on te vole ton téléphone. Parce que le diable a prévu un scandale. Tu es là où tu nous suis. Ce soir, ne pars pas comme ça. Non, pas seulement que tu veilles sur ton téléphone. Non, non. Dieu veut que tu te répandes. C'est un message clair que Dieu m'a donné ce soir pendant que je priais. Et nous, nous disons que nous aimons, nous sommes des chrétiens, on aime les gens. Depuis que l'année a commencé, combien de gens as-tu partagé quelque chose? À combien de gens? Oui, tu te dis, je lui donne ça. Tu ne connais pas, Obinapesa. Je ne parle pas de pasteur, non, je parle de gens. À combien tu as partagé habits? Pendant les confinements, à combien tu as pensé? Tu dis vraiment que tu aimes. La dernière fois que tu as acheté l'habit à ta femme, c'était quand? La dernière fois que tu t'es occupé de ton mari que tu as offert. En amour, il n'y a pas que l'homme qui donne, la femme aussi doit donner. Papa, vous pouvez s'en amener. Papa, dites amen. Parce qu'on dirait qu'en amour, il n'y a que nous qui donnons. Chérie, la dernière fois que tu lui as donné, c'était quand? Oh, mais moi, c'est que j'ajoute au marché.
Et puis les mamans, ça c'est une parenthèse. Partout. Quand on dit donner à l'homme, ce n'est pas seulement les cinglés et les sous. Non! Je veux dire au nom de tous les hommes qui sont ici, même ceux-là qui nous suivent, on est fatigué de ça. Si tu as assis à côté de, assis à côté de ton épouse, dis-lui, Oyoki, je suis fatigué de ça. Tu as entendu, na lemi bakado aba singlé na ba sous-vêtement. Singlé sous-pile, singlé sous-pile, bakoma luxe na bik moko to lembi ango. Alléluia. Amen. Maman m'a dit papa na yoki, mais ce qu'on peut ça, il est pas ça compliqué, linga ko lata na komi mabo o yote o te. Mais ton problème c'est seulement pose l'action. Ni kamuno kaka yo sala musala na yo. Alléluia. Ça le quoi biloko. C'est comme si c'est ça c'est semblable à la nourriture. Lambele wangi la talobi ali akate, dès qu'après 23h. Même s'il ne mange pas, passe après 23h, tu verras. Quelqu'un sera passé par là. Alors, nous devons nous aimer. C'est comme ça que le monde saura que nous sommes en Christ. Frères et sœurs, il y a mal qu'il y a dans l'église que moi j'appelle la religiosité hypocrite des pharisiens, les pharisianismes. Si on voit aujourd'hui, la sœur Yolande, pasteur Yolande. Pasteur Yolande. Ou bien maman Nadège, pasteur Yolande et maman Nadège, ils sont là en train de parler. Entre eux, ça passe. Mais si on le voit en train de parler avec Rihanna ou bien Beyoncé, on prend la photo, tac, Facebook. Comment maintenant à marcher avec ceux-là? Et puis ça on s'est toujours dit, frère, quel est cet évangile qui nous interdit de parler même aux païens? Le plus saint des hommes, Jésus, n'a pas eu honte de s'afficher avec le plus mauvais comme les Zachée. Donc, vous voulez vraiment me laisser croire? Vous voulez vraiment me laisser croire que Satan a la capacité de changer Dieu? Job dit ceci. Dieu était là. Le Fils de Dieu sont venus auprès de Dieu. Satan est venu aussi auprès de lui. Lecteur de la Bible, qui a commencé le dialogue? Satan ou le Père? Il lui a même posé la question. Même le Père n'a pas honte de s'afficher avec celui qui l'a trahi. Seulement toi et moi. Seulement toi et moi. Pêcheur, je ne peux pas. Si tu as peur de t'afficher avec le pêcheur, c'est que je doute de ta conversion. C'est que tu as peur que lui t'ait converti. Comment va-t-il se convertir? Vous pensez vraiment qu'ils vont venir dans notre église? Non. Moi, je crois à l'évangile. Moi, ce n'est pas moi. Quand je prêche, l'Esprit de Dieu va les toucher et il va se convertir. Alléluia. Non, moi, je ne veux pas être avec lui là parce que c'est un païen. On va m'indexer. Est-ce que ton grand frère qui est ministre, il est chrétien? Je te pose la question. Même ton mari que tu as laissé là, est-ce qu'il est chrétien? Mais pourquoi tu n'as pas honte de marcher avec lui? Pourquoi tu n'as pas honte de dire que le général là, c'est mon nom? Mais un païen avec P majuscule, un païen occultiste, sataniste, mais tu n'as pas honte? Je veux nous poser la question. Toi qui es chrétien plus saint que la sainteté, l'avion que tu prends là, c'est ton oncle chrétien qui a fait ça. La voiture là que tu as achetée, c'est ton cousin
chrétien ou bien ange Gabriel qui a fait ça. Je veux même descendre. Le téléphone que tu tiens en main. Qui a fait ça? Quand tu entres là-bas dans l'alimentation là, est-ce que c'est de ton frère? Le pain que tu achètes là-bas, que tu manges, qui a fait ça? Donc, eux, ils sont moins chrétiens que les musiciens. Donc, les musiciens païens sont plus démons que les autres là. Ok, allons-y. Non, pasteur. Mais au moins, le téléphone ou le pain, quand j'achète ça, je prie, je sanctifie. C'est pas grave. Fantastique. Quand tu rencontres le musicien là, avant de parler avec lui, sanctifie-le aussi. Vous le savez, maman. J'avais un ami, je l'ai toujours, un musulman. Je parle avec lui, il m'appelle, c'est un ami à moi. J'étais choqué un jour, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit non, j'étais dans une église, le pasteur disait, il ne faut pas avoir des amis païens. Je dis oui, il ne faut pas avoir des amis païens. Moi je crois à l'évangile où seul chrétien, je peux convertir 10 païens. Mais il ne faut pas avoir des amis. C'est pas grave. Moi j'ai un ami musulman. Mais je vous dis, à chaque fois qu'il a un problème, c'est moi qui l'appelle. Pasteur, dis-moi un peu. Pasteur, dis-moi. Et je sais une chose. Avant qu'il ne meure, il viendra ici. Alléluia. Arrêtons cet évangile. Tout ce que ça nous malade, moi. C'est vrai, tu diras oui. Mon frère, mon ami, allons à Phila. Là-bas, c'est bien. Quand on prêche, on nous dit, venez tel que vous êtes. Non, on ne va pas vous condamner. Venez, même si tu portes allez, une robette, jupette là. Viens seulement tel que tu es, le pasteur a dit, viens. Fantastique. Quand nous vous disons de venir tel que vous êtes, on n'ajoute pas après que vous restiez tel quel. C'est pas ça. Tu étais venu avec une jupette. On n'a pas dit que tu restes comme ça. Quand nous vous disons venez tel que vous êtes, c'est pour que vous soyez transformés, que vous deveniez comme Christ est. Au travers de sa parole, on peut comprendre le premier pas parce qu'on sait que peut-être le temps de changer la garde-robe. Mais lorsque 6 mois après, une année après, il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Alléluia. À vous qui n'êtes pas convertis. Non, à vous qui êtes convertis d'abord et qui vivez un pied dedans et un pied dehors. Je vais vous dire une vérité. Vraiment une vérité. L'amour de Dieu est patient. Mais Dieu, il n'aime pas ceux-là qui sont tièdes. Il n'aime pas ceux qui sont tièdes. Soit tu es païen, soit vraiment païen à 100%. Si tu es chrétien, sois chrétien à 100%. J'ai connu un frère. Un jour, il était fatigué du christianisme. Il a dit à notre responsable, je suis fatigué. Je rentre un peu dans le monde. Les jours où ça, je vais revenir. Le responsable a dit, vas-y. Il a dit, ok, c'est bon. Il est rentré dans le monde. Quelques temps après, il est revenu. Il dit, mais pourquoi tu es revenu? Je n'ai rien trouvé de grave. Frère, nous n'allons pas te condamner si tu nous dis que tu rentres dans le monde. Ce n'est pas notre évangile à nous. Nous allons te souhaiter bonne chance. Mais simplement fais attention. Que la mort ne te trouve pas dans le monde. Parce qu'après ça, il n'y a plus de grâce. La grâce. Et lorsque nous sommes vivants, lorsque nous sommes morts, c'est fini. Une parenthèse par rapport à la grâce. La grâce ne nous dit pas de vivre dans le péché. Dieu n'est pas dupe. Il y a de ceux-là qui préméditent leur péché. Les juristes sont là. Ils savent que pour condamner quelqu'un à mort, il faudra que l'acte
il faudra qu'il y ait une préméditation dans l'acte. Il faudra qu'on trouve l'élément préméditation, ça veut dire préparation. N'est-ce pas les juristes? Il faudra qu'on retrouve cet élément de la préméditation. Ainsi, il y a aussi des chrétiens qui préméditent leur péché. Sachant que Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne. Il se dit, je vais faire et je vais demander pardon. Est-ce que tu prends vraiment Dieu comme quelqu'un qui prend les biberons? Toi-même, tu dis, je vais faire. Même tel que tu es là, tu dis, ah, je vais demander seulement pardon. Je vais seulement prendre l'argent là. Dieu est un Dieu d'amour. Je vais demander pardon. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas comme ça que Christ nous enseigne. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu as des choses dans le cœur et que tu sais que ta vie n'est pas droite, l'amour de Dieu crie encore à plein gosier. J'ai payé le prix. Si tu crois en moi, tu ne passeras plus par la condamnation. Et à toi qui n'as pas Christ dans ton cœur, tu vis ta vie telle que tu le veux. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que l'amour de Dieu se répand ici. Et se dit, j'ai payé le prix. N'attends pas quand il sera trop tard. Donne-moi ta vie. Jésus savait qu'il serait difficile pour nous de vivre dans le monde comme lui. Voilà pourquoi il a pourvu à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide. Voilà pourquoi il dit, ce n'est ni par force, mais ni par puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous aussi nous tenons face à la tentation. Que ce soit moi, que ce soit le pasteur Atem, que ce soit le pasteur Sophie, quiconque. Nous ne tenons pas parce que nous sommes forts aux anabas stratégiques. C'est simplement à cause de l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. Et l'Esprit de Dieu est disponible pour tous ceux-là qui croient. Mais si la mauvaise nouvelle est que pour ceux-là qui ne sont pas en Jésus, la condamnation demeure. Nous ne passerons pas tous l'éternité ensemble. Détrompe-toi. La doctrine de purgatoire n'est pas biblique. Détrompe-toi. Nous tous, nous n'irons pas au paradis. L'homme à la croix, les brigands à la croix, à l'inextrémiste, il a dit, il a reconnu ce qu'il était. Et il a dit, souviens-toi de moi. Il a eu la grâce. Mais toi, est-ce que tu auras cette grâce? Écoutez comment le Salomon dit. Vanité de vanité. C'est pamba. La bière, vanité. Le sexe, vanité. L'argent, vanité. Ils ont pamba. Mariage. Libala. Vanité. Ils ont pamba. Ils ont laissé 2 milliards, ils sont morts. Mais nous, même quand nous mourrons, c'est l'amour de Dieu qui va nous recueillir.